cette soirée, c'est quoi un petit peu pour toi? C'est l'occasion de rejouer avec des gens que j'aime bien, avec le label Formule Records, dans un lieu à Paris qui est super sympa, qui est le Bateau Phare. Donc voilà, c'est l'occasion de passer un bon moment, passer une bonne soirée, de jouer sur Paris qui est toujours une chance parce que c'est quand même une ville magnifique. Et puis voilà, surtout ça, c'est cet ensemble de choses. D'accord. Formule, c'est quoi? C'est juste des potes ou c'est un booking normal? C'est quoi par rapport à toi? C'est pas un booking normal non plus parce qu'effectivement c'est des gens que j'aime bien, que j'apprécie, et c'est des potes dans un sens. Évidemment je traîne pas avec eux tous les week-ends, etc. Mais c'est des gens que je connais un peu plus que juste des gens qui m'ont appelé pour un booking. Non seulement c'est pas la première fois que je joue avec eux à une Formule Party, mais en plus j'ai un son qui est sur leur label, donc ça m'a permis de les rencontrer à plusieurs reprises, et donc à force on s'est bien entendu, il y a un bon feeling, donc voilà, oui, c'est plus qu'un booking normal, on va dire ça comme ça. Sinon, il y a une actu aujourd'hui, t'as d'autres actus, des sorties, d'autres soirées où tu vas jouer très bientôt? J'ai une soirée, j'ai ma résidence en fait au Rafio à Strasbourg, c'est un club donc strasbourgeois où je joue environ tous les deux mois, donc pour ma résidence comme je l'ai dit. Niveau date, ensuite il y en aura quelques-unes, je peux pas encore tout confirmer, mais il y en a quelques-unes à venir, dont un festival qui s'appelle le No Name Festival en Belgique. J'ai quelques dates donc qui sont en train de se confirmer, donc voilà, ça c'est à suivre de toute façon sur internet. Et niveau des sorties, pas mal de remix, 2-3 collaborations, et puis là je bosse sur des nouveaux morceaux originaux, donc à venir très bientôt. Ouais, d'accord, t'as pas de sortie là qui est programmée? J'ai des sorties dans les semaines à venir, c'est plutôt des remix. Donc j'ai deux remix qui sortent, alors je sais plus les dates exactes, mais c'est début mai, fin avril, si je dis pas de bêtises, dans ces eaux-là quoi. Donc dans les semaines à venir, vraiment, il y a deux remix qui sortent vraiment. Un pour Jacking with the Drums et un pour Bashton. Donc voilà, deux remix. Et par la suite, il y aura justement ces collaborations qui sont pas encore fixées au niveau des dates. Et les nouveaux morceaux qui, j'espère, seront là très bientôt quoi. D'accord. Et au niveau des dates, tu te gères tout seul ou t'as des gens qui bossent avec toi? J'ai des gens qui bossent avec moi. J'ai mon booker qui s'appelle Arnaud Dewitt, qui bosse avec sa structure qui s'appelle Voulez-vous danser? Pour le petit bug. Donc Voulez-vous danser, c'est donc la structure qui se charge de mon booking. Je bosse aussi avec Manu Baron, mais c'est vrai que c'est plus Voulez-vous danser qui se charge cette partie-là pour l'instant quoi. Donc voilà, c'est lui qui gère. Maintenant pour des bookings comme celui de ce soir, c'est Formule Records qui m'a contacté, donc ça s'est fait un peu entre pattes entre guillemets, mais donc voilà, mais il y a une structure derrière.